fait, c'est une solution qui permet de créer des sites et des applications ou même peut-être des programmes, justement, comme son nom l'indique, sans avoir à coder. Alors la différence entre le no-code et le low-code, c'est principalement, justement, le no-code vous permet de créer applications ou sites sans avoir à coder. Le low-code, par contre, vous devrez coder pour avoir à customiser certaines solutions. Après, du coup, il y a une autre différence qui va venir s'ajouter, c'est que comme il y a du low-code, forcément l'interface ou l'outil que vous allez utiliser pour créer va être un tout petit peu plus technique aussi et s'adresser avec des gens un minimum de background. Donc des solutions no-code, low-code, je pense forcément à tout ce qui est WordPress, Shopify qui vous permettent de créer des sites sans avoir à coder. Forcément ici à Copperbee, on a un qui vient à l'esprit, c'est forcément The Creator qui vous permet de créer des applications sans avoir à coder ou alors un tout petit peu. Alors les avantages qui ont apporté, les solutions no-code, low-code, principalement, c'est le fait que vous puissiez faire vos apps, vos sites vous-même. Mais d'un autre côté aussi, je pense du point de vue développeur, ça ajoute un outil aussi, ça ajoute d'autres outils qui permettent d'apporter d'autres solutions à nos clients. Et on ne peut pas aujourd'hui apporter que des solutions sur mesure. Donc voilà, pour ceux avec un peu plus, avec une échelle de temps plus restreinte ou un budget plus restreint, on peut du coup, grâce à ça, proposer des solutions plus rapides et moins chères.